We have a wonderful opportunity of hearing from David Hamilton. Nous avons une occasion superbe ce matin de pouvoir écouter David Hamilton. He's the associate provost for the University of the Nations. Il est le vice-provo de l'Université des Nations. I have known David for many years. J'ai connu David depuis plusieurs années. I know him as a man of God. Et je connais en tant qu'homme de Dieu. I know him as a man of tremendous character. Et je connais aussi son caractère qui est extraordinaire. But he's also a broad visionary. Mais c'est aussi un visionnaire. We've traveled together and ministered together in almost every continent. On a voyagé ensemble presque dans tous les continents. I've seen him on the back dusty roads of the nations. Et je l'ai vu sur les petites routes poussiéreuses des nations. I've seen him before the big crowds. Et je l'ai vu aussi aller avant la grande foule. And he's the same. He's always the same, a man of God. Et toujours il est le même, cet homme de Dieu. So I commend him to you today and introduce now David Hamilton. Alors j'aimerais vous le présenter maintenant. God has given us a university. Dieu nous a donné une université. This university is called the University of the Nations. Cette université s'appelle l'Université des Nations. Now, why would God give us this university? Alors pourquoi Dieu nous a donné cette université? What do we understand by this university? Qu'est-ce qu'on comprend dans cette université? When we hear the word university, many different thoughts come to our mind. Quand on entend ce mot université, il y a beaucoup de pensées qui nous viennent à l'esprit. It's kind of like the word God. C'est comme ce mot Dieu. When you hear the word God, many different impressions come to people's minds. Quand on entend le mot Dieu, il y a plusieurs impressions qui nous viennent à l'esprit. If you're Buddhist or Muslim, si vous êtes bouddhiste ou bien musulman, if you're a Hindu or atheist, si vous êtes athée ou bien hindou, or if you're an animist or a Christian, that same word can mean different things. Ou si vous êtes animiste ou bien chrétien, ce mot peut dire beaucoup de différentes choses. For some people, God is an infinite being, but not a personal one. Pour certaines personnes, Dieu est un être infini et pas une personne. For others, he is a person, but a very finite and limited God. Pour d'autres, il est quelqu'un de très fini, défini, et c'est une personne. For some peoples of the world, God is both finite, small, and not even personal. He is a rock or a tree or the sun. Et pour d'autres, il est très défini comme un arbre, comme un rocher, mais aussi avec beaucoup de détails. But for us as Christians, God is both infinite and personal. Mais pour nous en tant que chrétiens, Dieu est bien défini et aussi personnel. Loving and just. Il nous aime et il est juste. Gracious and redeeming. Il est gracieux et il rachète. Now, many times I've been on the streets in evangelism. Alors beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'évangélisation. And at times when I've talked with people, I've said, well, what is, do you believe in God? Alors je demandais aux gens, est-ce que vous croyez en Dieu? And they say, no, I don't believe in God. Et ils me répondaient, non, je ne crois pas en Dieu. And instead of getting all upset about that, et au lieu d'être embêté et énervé à cause de ceci, I usually ask them this. Je leur posais cette question suivante. Will you please describe for me the God in which you don't believe? Est-ce que tu peux me décrire ce Dieu dans lequel tu ne crois pas? And they say, well, he's very indifferent. Oh, il est très indifférent. He doesn't care about the injustice in the world. Il ne s'occupe pas de l'injustice qui se trouve dans le monde. Or they say this or that or the other. Oh, il dit ceci ou bien autre chose. And I listen for a while. Et j'écoute pendant un moment. And I say, I am so happy. Et après, je dis, je suis tellement content. Because I don't believe in that God either. Parce que moi non plus, je ne crois pas dans ce Dieu. But let me tell you about the God I do believe in. Alors moi, je vais t'expliquer maintenant ce Dieu auquel je crois. This is the same way when we talk about a university. Et c'est la même façon de parler de cette université. We all have preconceived notions of what a university is. On a des idées préconçues concernant cette université. We've all seen in a university or experienced universities. On a déjà vu des universités ou bien on a expérimenté. And you might say to me, et vous pouvez peut-être me dire, well, I don't know how God could possibly use a university. Je ne sais pas comment Dieu peut utiliser une université. How does a university fit in with missions? Comment est-ce qu'une université fait partie d'un champ missionnaire, d'une mission?
I don't believe in a university. Je ne crois pas à une université. And I'd like to ask you the question. Et j'aimerais vous poser cette question. Would you describe for me the university in which you don't believe? Est-ce que vous pouvez décrire pour moi cette université auquel vous ne croyez pas? And I think when you finish your description, et quand vous aurez fini votre description, I would probably say to you, je vous répondrai, I'm so happy. Je suis tellement content. Because I don't believe in that kind of university either. Parce que moi non plus, je ne crois pas à ce genre d'université. God is giving us a new university. Le Seigneur nous a donné une nouvelle université. This university of the nations is not being modeled on old paradigms, old examples. Cette université n'a pas été formée, mise en place avec un vieux modèle. It is something new, unlike anything that has happened before. C'est quelque chose de nouveau et d'unique. It is something being shaped on the word of God. C'est quelque chose qui est formé selon la parole de Dieu. And so, let's discover together what does God have in mind when he has told us to have a university. Alors, découvrons ensemble qu'est-ce que Dieu avait en tête quand il a voulu qu'on démarre avec cette université. Let me give you another example. J'aimerais vous donner un autre exemple. When you think of a camel, quand vous pensez à un chameau, what do you think of? Qu'est-ce que vous pensez? What does a camel look like? Quelle est l'apparence d'un chameau? What's the first thing that comes to your mind? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? It has a hump. Il a des bosses. Maybe one or two, depending on what kind of camel it is. On peut avoir une bosse ou bien deux bosses, si c'est un dromadaire ou bien un chameau. So there's the hump of the camel. Alors voici la bosse du chameau. What else does the camel have? Is that all? Qu'est-ce qu'un chameau encore? Four legs. Quatre jambes. Are they short and fat? Est-ce qu'elles sont petites, larges? Long and skinny. Bien, elles sont minces et longues. Okay, long and skinny and very fat, ugly, knobby knees. Avec des genoux qui sont bien épais. Something like this. Quelque chose comme ceci. Yes. Okay? What else does a camel have? A head. Une tête. What kind of head? Comment est sa tête? A big, round, tiny. Grosse, ronde, petite. Maybe somewhat like a horse's head, huh? Comme un cheval. Elongated. Ugly. Ugly head. Hey. Big eyes. Avec des grands yeux. And a big fat lips, huh? Avec des lèvres bien épaisses. How is the head connected to the body? Comment est-ce que la tête est reliée au corps? Long neck. Yeah. Avec un cou kind of hairy. Avec des poils. Something like this. Des choses comme ceci. Now we need a tail, right? Maintenant, on a besoin d'une queue. A bushy tail. Une queue bien fournie. Kind of skinny with a little tuft of hair at the end. Ou bien une queue qui n'a pas beaucoup de poils, juste un peu à la fin. And there we have a camel. Voici le chameau. Is that okay? Ça va bien? If you look at that, you would say, this is a camel. Yes. Regardez à ceci, est-ce que c'est vraiment un chameau? It's definitely not a mouse. En tout cas, ce n'est pas une souris. It's not an elephant. C'est pas un éléphant. It's not a fish. C'est pas un poisson. It's a camel. C'est un chameau. Now we're going to make a couple changes in this camel. Alors on va faire maintenant quelques changements dans ce chameau. Because we want a new camel. Parce qu'on veut en fait un nouveau chameau. For created differently for a new purpose. Pour avoir un but différent, un nouveau but. And so we're going to take one thing away from this camel. Alors on va retrancher quelque chose de ce dromadaire. And we're going to add just one thing. Et on va ajouter quelque chose. Only two changes. Seulement deux changements. The thing we're going to take away. On va retirer. Is the hump. La bosse. So now we are going to have a humpless camel. Voilà alors un chameau sans bosse. You might say, well, that's no longer a camel. Ah, peut-être que vous dites, oh, ben, c'est plus un chameau. But wait a minute, we're creating something new. Attendez, on est en train de créer quelque chose de nouveau. It's never been seen before. On n'a jamais vu ceci avant. And we're going
going to add something to this camel. Et on va ajouter quelque chose à ce chameau. We are going to put a trunk on this camel. On va mettre une trompe. So now we have a camel. Maintenant on a un dromadaire. With no hump. Avec aucune bosse. Plus a trunk. Mais une trompe. This is a new camel. C'est un nouveau dromadaire. Have you ever seen a camel like this before? Est-ce que vous avez déjà vu un dromadaire comme celui-ci? No, you haven't. Non, jamais. And I'm sure that you have never seen a university quite like this one before either. Et je ne pense pas que vous avez déjà vu une université comme la nôtre. Because our university, the University of the Nations, parce que notre université, l'Université des Nations, looks like universities in several different aspects. Elle a la même apparence que plusieurs autres universités. But there are some things that you will never find in the University of the Nations that you usually associate with universities. Mais il y a des choses qu'on ne trouvera jamais dans notre université qui normalement est reliée avec ce mot université. And there are other things that you'll discover in this university that you will find nowhere else. Et il y a d'autres choses dans notre université que vous allez découvrir que vous ne trouverez nulle part ailleurs. The University of the Nations, l'Université des Nations, is a humpless camel with a trunk. Est un chameau sans bosse avec une trompe. Let me put that in maybe more spiritual terms. Alors, je vais décrire ceci avec peut-être un peu plus de spiritualité. The University of the Nations is a university of the spirit. L'Université des Nations est une université avec un esprit. It's the spirit that has inspired this university. Et c'est l'esprit de Dieu qui a inspiré cette université. And the training that goes on is spirit-led. Et la formation qui va avec cette université est conduite dans l'esprit. The reason the Holy Spirit has led us to have this university. La raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a laissé avoir cette université is because God has a tremendous heart for the unreached peoples of the world. C'est que Dieu a un cœur extraordinaire pour les gens non atteints du monde. He looks at this broken, hurting world. Il regarde à ce monde brisé. And God does not accept the status quo. Qui souffre et Dieu n'accepte pas ce statu quo. He wants to see the world changed and transformed. Il veut voir le monde se transformer et changer. He wants to make a difference. Il veut faire une différence. And he calls us to be a people who make a difference with him. Et nous appelle à être un monde qui va faire cette différence dans ce monde. This university exists. Cette université existe. In order to cooperate with God's Spirit in the completion of the Great Commission. Afin de coopérer avec l'Esprit de Dieu pour terminer le dernier commandement. That's the one and only reason we exist. C'est la seule raison pour laquelle nous existons. All that we do is in order to see the unreached reach. Tout ce que nous faisons, c'est pour voir les non-atteints touchés with the good news of Jesus Christ, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ and to see the nations discipled with the principles of the kingdom of God. Et de voir les disciples dans les nations avec les principes de Dieu. Most universities don't have that as their goal. La plupart des universités n'ont pas ceci comme objectif. And we shape what we are, the structure, the content of what we have. Et nous nous formons nous-mêmes toute la structure de cette université in order to achieve that goal. Afin d'accomplir ce but. Why do people usually go to a university? Pourquoi généralement les gens vont à l'université? What is their goal in pursuing education? Quels sont leurs buts pour avoir une éducation? Think about it for a little bit. Pensez-y un petit moment. You know people who've gone to university. Vous connaissez des gens qui sont allés à l'université. Why did they do that? Pourquoi le font-ils? Well, you could give various different reasons. Il y a plusieurs raisons. But ultimately, you would come to, well, they wanted a degree. Mais finalement, vous allez dire, ouais, ils veulent un diplôme. Well, why did they want a degree? Pourquoi ils veulent un diplôme? Well, because if they had a degree, they could get a better job. Parce que s'ils ont un diplôme, ils peuvent avoir un meilleur travail. And if they had a better job, et s'ils ont un meilleur métier, they would make more money. Ils vont avoir plus d'argent. They'd have a more comfortable life. Et leur vie sera plus confortable. And a lot of education is motivated by this goal. Et souvent, avoir l'éducation, c'est motivé par ce but. But not in the University of the Nations. Mais pas dans l'Université des Nations. You can obtain a degree in the University of the Nations, but it is not necessary. C'est clair que vous pouvez obtenir un diplôme dans l'Université des Nations, mais ce n'est pas nécessaire. It is not our goal. You can
have as much training or as little training as the Spirit leads you to take. Ce n'est pas notre but, vous pouvez avoir beaucoup de formation ou peu, selon l'Esprit. But even if you do have a degree, et même si vous avez un diplôme, it won't necessarily guarantee you a higher paying job. Ça va pas garantir pour vous un salaire très élevé. Because we're training people for the Great Commission. Parce que nous formons en fait des gens pour ce dernier commandement. Let me give you an example. Et j'aimerais vous donner un exemple. In Chile, there is a very, the nation of Chile, there are many good medical schools. Au Chili, il y a beaucoup d'écoles médicales qui sont très bonnes. They have a very excellent health program across the nation. Ils ont aussi un programme de santé qui est très bien répandu dans le pays. They have been so successful that they have an overabundance of doctors and nurses and medical people. Et ces programmes ont eu tellement de succès que tout le personnel médical et les docteurs sont en abondance dans ce pays. In the capital city of Santiago, almost 5 million people. À Santiago, la capitale de 5 millions d'habitants. There are so many doctors there that many of them are unemployed. Il y a tellement de médecins que certains sont au chômage. So they have to work as taxi drivers and do other jobs. Alors ils doivent faire d'autres métiers comme conducteur de taxi. Now, if you go to the very south of Chile, maintenant si vous allez au sud du pays, there are hundreds of islands. Il y a des centaines d'îles. Many of which have 2,000, 3,000, 5,000 people living on them. Et sur ces îles, des fois, il y a 200, 300 000 habitants. Which do not have medical care at all. Et qui n'ont aucun soin médical. Now, in Santiago, surgeons are driving taxis. Maintenant, à Santiago, il y a des chirurgiens qui conduisent des taxis. And in the islands, people have no medical care whatsoever. Et dans ces îles, ben, il n'y a aucun soin médical. Why is that? Pourquoi ça se passe comme ceci? Because, you see, in the islands, they don't pay you with money. Parce que dans les îles, on vous paye pas avec de l'argent. They pay you with bags of potatoes and fish. On vous paye avec du poisson ou des sacs de pommes de terre. And so the doctors don't go there. Alors les médecins ne désirent pas aller là-bas. Because they can't pay off their university and fees and their house mortgages with potatoes. Parce qu'ils peuvent pas en fait payer tous leurs frais qui vont avec tout ce qui est médical avec des sacs de pommes de terre. They studied 8 or 10 years. Ils ont étudié 8 ou 10 ans. And are not being able to use their skills because the finances don't allow for it. Et ils ne peuvent pas utiliser en fait leurs dons parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers qui vont avec. Now the University of the Nations has a very simple school called an Introduction to Primary Healthcare. Maintenant dans l'Université des Nations, on a un cours qui est assez simple concernant les soins primaires de santé. It's a 6-month course. Ce cours dure pendant 6 mois. 3 months in the classroom, 3 months in the field. 3 mois dans la classe et 3 mois sur le champ. In which people learn all the basics of prevention of the primary healthcare issues. Et les gens vont apprendre tout ce qui va aider pour prévenir les maladies. The issues that are taught in this school answer about 90% of the medical problems of people in the islands of the south of Chile. Et tous les problèmes qui vont être traités dans ces cours vont répondre à 90% des problèmes que nous trouvons dans ces îles. We've held this school. Nous avons cette école. And our graduates are gratefully recognized by the Department of Health of the nation of Chile. Et nos diplômés sont reconnus par le département de la santé du Chili. They get the certification that they are authorized medical workers. Et leur certificat leur permet de travailler dans le médical. And they go and serve in the islands. Ils vont là-bas dans ces îles et ils servent. And they do so happily. Et le font avec beaucoup de joie. They don't have all the skills of the surgeons. Ils n'ont pas peut-être tous les dons et l'habileté des chirurgiens. But they have enough skills that they're making a significant difference in the quality of life of those people. Mais ils ont assez de dons pour faire en fait une différence dans la vie de ces gens. And they can do that because the motive is the Great Commission and not a higher paycheck. Ils peuvent faire ceci parce que leur motivation c'est le dernier commandement et c'est pas d'avoir un gros salaire à la fin du mois. And as our medical teams that have been trained in the University of the Nations go in, alors que nos équipes médicales sont formées à l'Université des Nations et qui après vont sur le terrain, they are accompanied by other teams who have been trained by the University of the Nations and the schools of missions and the schools of evangelism. Il y a d'autres équipes qui vont avec eux, qui sont formées dans l'évangélisation, dans la mission. Churches are planted.
les églises vont être implantées. And those isolated communities are being transformed with the gospel of Jesus Christ. Et ces communautés qui étaient isolées sont transformées par l'évangile de Jésus-Christ. So the University of the Nations will probably never have a degree in brain surgery. Donc quelqu'un qui va à l'Université des Nations peut-être n'aura jamais un diplôme pour faire de la chirurgie cervicale. See, this is part of the hump that you will never find in our university. C'est partie en fait de la bosse du chameau que vous ne trouverez jamais dans notre université. But you know, so many people in the world don't have the basic health care. Mais vous savez que dans le monde, il y a tellement de gens qui n'ont pas juste les soins primaires de santé nécessaires. In the nation of Equatorial Guinea. Dans la Guinée équatoriale. There are 7 health professionals in the whole country. Il y a 7 professionnels médicaux. That's doctors, nurses, pharmacists, and dentists. Qui comprend médecins, dentistes, pharmaciens et infirmiers, infirmières. 4 of them are required to serve the president and his family. 4 sont réservés pour servir la famille du président. 3 for the rest of the nation. Et il y a 3 qui restent pour le reste de la nation. It's not a big nation. C'est pas une grande nation. It's one of the poorest nations in Africa. Et c'est une des nations les plus pauvres de l'Afrique. Doctors don't go there. Les médecins ne vont pas là-bas. But YWAMers could. Mais les géniens pourraient aller là-bas. Graduates of the University of the Nations could. Les gens qui ont un diplôme de l'Université des Nations peuvent aller là-bas. And transform the life of that people. Et peuvent transformer les vies de ces gens là-bas. See, we're not trying to do everything, but we're trying to do those things which serve as passport skills. Donc on n'essaye pas de tout faire, mais on essaye d'aller avec le passeport de l'Université des Nations. Giving people a skill that will help them serve people, other people's felt needs. Donner en fait des dons et de l'habileté pour répondre aux besoins essentiels de ces gens. And just like a passport, et comme un passeport, these skills will open the borders into their hearts. Cette habileté va ouvrir les frontières de leur cœur. And through their sacrifice, lives will be changed. Et ils vont être transformés ainsi. Instead of trying to guarantee the status quo and a good life for yourself. Au lieu de garantir ce statu quo pour vos vies. Prepare yourself for a lifetime of service to the nations of the world. Préparez-vous pour une vie de service envers les nations du monde. We have a school that teaches in the University of the Nations. We have a school that teaches people on how to be teachers and educators of young children. Dans l'Université des Nations, nous avons une école qui forme des enseignants pour les jeunes enfants. A young Brazilian lady went through this school. Une jeune fille du Brésil a suivi ces cours. And she was a part of a pioneering apostolic team that went from Brazil to Guinea-Bissau. Et elle faisait partie d'une équipe, pionnière apostolique qui allait en Guinée-Bissau. This is a Portuguese-speaking country in West Africa. C'est un pays où on parle portugais en Afrique occidentale. They started preaching in the streets. Ils ont commencé à prêcher dans la rue. Planting a church. Ils ont implanté une église. And she planted a small preschool. Et elle a commencé une petite école enfantine. This is a country that is in its majority Muslim. Et c'est dans cette nation, la majorité est musulmane. Those who aren't Muslim are animists. Et ceux qui ne sont pas musulmans sont animistes. The government at the time was Marxist. Et le gouvernement à cette époque était marxiste. And as they began serving there, alors qu'ils commençaient à servir là-bas, there were very few educational opportunities for the young people. Il y avait peu en fait d'occasions pour les jeunes de se former, de recevoir une éducation. And so the parents were very excited that they were starting a new school. Alors les parents étaient vraiment enthousiasmés de voir une école qui commençait. Now the parents were Muslims. Mais les parents étaient musulmans. But they had no opportunity to educate their children. Mais ils n'avaient aucune occasion d'éduquer en fait leurs enfants. And so our YWAMer, our graduate of the University of the Nations. Alors nos géniens et ceux qui avaient un diplôme de l'Université des Nations. Said, we will educate them. On dit on peut éduquer vos enfants. And we'll educate them based on the principles of the Bible. Et on va créer cette éducation qui est basée sur les fondements de la Bible. And we'll tell them about Jesus. Et on leur parlera de Jésus. And if you want your child to be in the school, et si vous voulez que votre enfant fasse partie de cette école, you must come 2 evenings a week so that we can teach you what we're teaching your children.
Venez deux soirs par semaine dans notre école et on vous montrera comment enseigner à vos enfants. About the Bible and Jesus too. On vous montrera, on parlera de la Bible, de Jésus. They were saying, yes, we want to do this. Et ils ont tous dit, oui, on veut faire ça. They started a great school. Ils ont commencé une superbe école. Lots of sacrifice. Beaucoup de sacrifices. They didn't have a huge budget. They had come from one developing nation to another developing nation. Le budget était très étroit car ils venaient de nations en voie de développement. But God brought a quality of education that began transforming that community. Mais Dieu a amené une qualité dans l'éducation qui a commencé à transformer cette communauté. They were just taking the steps of faithfulness that God had called them to do. Ils faisaient vraiment des pas dans la foi. And as a result of that, et comme résultat, one day they get a knock on their school. Un jour, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte. And in walks the minister of education for the nation. The minister of education for the nation appears there. Le ministère de l'éducation, le ministre de l'éducation est entré dans la classe. He says, I've heard of your school. Il a dit, j'ai entendu parler de votre école. There's nothing like this in the country. On n'a rien de pareil dans le pays. Do you mind if I watch what you do? Ça vous dérange si je regarde ce que vous faites? This man is not a believer. Et cet homme ne croyait pas. But he was so impressed by what he saw going on that day. Mais il était tellement impressionné de voir ce qui se passait dans la classe. He later came back and said, would you do this for me? Il est venu plus tard et il a demandé, could you help us write the curriculum for the education for our whole nation? Pourriez-vous nous aider à écrire un curriculum pour toute la nation? We have an educational vacuum. Parce qu'on est vraiment complètement sans éducation dans ce pays. And we need people like you to help us shape what we're teaching our children from kindergarten right through secondary school. Et on a besoin de gens comme vous qui nous aident à écrire, à mettre sur pied ces curriculums pour former des gens depuis l'école enfantine jusqu'à l'école secondaire. And right now the University of the Nations has a team working together in developing the curriculum for the nation of Guinea-Bissau. Et maintenant il y a une équipe qui est en train de travailler pour développer ce curriculum en Guinée-Bissau. Through a heart of service, par ce cœur de service, through a heart of compassion, aussi à travers un cœur qui est plein de compassion, an opportunity to serve a nation that will affect generations to come. Dans cette occasion de pouvoir servir et changer, transformer des générations qui vont venir. That's what the University of the Nations is about. C'est ça l'Université des Nations. Caring for people like Jesus cared for them. S'occuper des gens comme Jésus s'occupait des gens. Using the skills he puts in our hands to do that most effectively. Utiliser nos dons pour faire ceci de façon plus efficace. I want to tell you one more story. J'aimerais vous raconter une dernière histoire. I'll end up telling you several more, but one more for now. Alors, en tout cas, je vous raconte encore une histoire. This story is about Alphonse. C'est une histoire qui concerne Alphonse. Some of you know Alphonse from Uganda. Quelques-uns d'entre vous connaissez Alphonse d'Ouganda. He's a dear man of God. C'est un homme de Dieu très cher. He's also been equipped for the University of the Nations as a leader in his nation. Il a été formé en tant que leader aussi dans l'Université des Nations pour sa nation. They have established through the training of the University of the Nations three community development projects. On a dans l'Université des Nations un programme qui s'appelle développement communautaire. They are working in very close conjunction with the government and churches and other organizations. Ils travaillent de façon très proche avec le gouvernement, avec d'autres organisations, avec les communautés aussi. One of the things that they are doing, une chose qu'ils font, is they are starting a new breed of sheep. Sheep. Ils ont commencé a new race of sheep. À faire de l'élevage pour les moutons. There's a lot of hunger and malnutrition in the nation. Il y a un grand taux de malnutrition dans le pays. And if there was more milk, it would solve many of these malnutrition problems. Et s'il y avait plus de lait, il y aurait beaucoup de problèmes résolus dans cette malnutrition. But the Ugandan goats don't have the right kind of milk. Mais les chèvres d'Ouganda n'ont pas en fait le lait approprié. And so they brought in a sheep from outside. Alors ils ont amené un mouton de l'extérieur. And they named him Abraham. Ils l'ont appelé Abraham. Because Abraham was the father of many.
Parce que Abraham était le père de beaucoup. And this Abraham then started develop crossing with local sheep so that they could have both the milk producing capacity and also the local resistance. Alors ils ont commencé à mélanger ce mouton avec d'autres pour qu'on ait du bon lait, mais qu'il y ait aussi cette résistance par rapport aux maladies du pays. They are now in the third generation of this new race of sheep that is transforming the quality of life for people in Uganda. Et maintenant, ils sont à la troisième génération de ces moutons qui transforment ces communautés d'Ouganda. This race of sheep has a special name. La race de ce mouton a un nom spécial. They're called the Wiwam sheep. Ils l'appellent le mouton génien. And people are drinking of the milk of these sheep and goats. Et les gens boivent le lait de ces moutons. And as they are doing so, they're also being presented with the gospel. Et avec ceci en plus, on leur présente l'évangile. The whole of life is changed. Et leur vie en entier est transformée. See, the training that we are about. Et toute cette formation que nous faisons. Is connected to life. Est vraiment en relation avec la vie. One of the founding principles of the University of the Nations. Un des principes de base de l'Université des Nations is that our training occurs in a live-learn context. C'est de former des gens dans un contexte où on vit les choses. We don't want to live in isolation from life. On ne veut pas vivre isolé de la vie concrète. Education should not be something that occurs in a retreated ivory tower. Et l'éducation ne devrait pas se passer dans une espèce de tour d'ivoire. But it's something that is intimately connected to the realities of life. Mais c'est quelque chose qui est vraiment relié avec le concret de la vie. Education is not something that's just a conceptual or mental exercise. L'éducation n'est pas quelque chose qui est mental, intellectuel. It's something that must transform all of who we are. Mais c'est quelque chose qui doit vraiment transformer tout ce qu'on est. What we think, what we say, what we do, what we value. Tout ce qu'on pense, tout ce que nous faisons et tout à quoi nous donnons la valeur. How we live. Et comment nous vivons. What are the foundational scriptures that we have for the University of the Nations? Un verset de base que nous avons pour l'Université des Nations is 2 Peter 1:5. C'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Which says, to your faith, où il dit, à votre foi, add virtue. Faites tous vos efforts pour joindre la vertu. Or goodness, or character. Ou bien du caractère, ou bien de la bonté. And to that virtue, the goodness, the character, to that add knowledge. Et à cette vertu, joignez encore la connaissance. Many universities just want to pass on knowledge. Beaucoup d'universités veulent simplement passer de la connaissance. To your faith, we want to add virtue, a quality of life. Mais nous, à cette foi, nous voulons amener, nous voulons joindre cette vertu, cette qualité de vie. That will be a foundation by which you can project that knowledge in a way that serves other people. Et ce sera vraiment une façon de projeter notre façon de servir les gens. That's why before you do any other course in the University of the Nations. C'est pour ça qu'avant de faire un cours, de suivre un cours dans l'Université des Nations, you must do a DTS first. Vous devez faire une école de formation de disciples. And it's because we genuinely believe God's strategy for education. Parce que nous croyons vraiment profondément la stratégie de Dieu. The world's educational system has fragmented our lives into many compartments. Le système d'éducation du monde a mis des compartiments. And we're trying to bring it all back together so that in all of our person we can honor God. Dans notre personne, et nous on essaie de remettre tout ensemble afin que notre personne en entier glorifie le Seigneur et l'honneur. So, the University of the Nations presents a holistic approach of life. Alors, l'Université des Nations a cette approche d'entièreté. The kingdom of God must impact every area of life. Le royaume de Dieu doit vraiment avoir un impact sur tous les domaines de la vie. That's why we have 7 colleges, faculties in the University of the Nations. C'est pour ça que nous avons 7 facultés différentes dans l'université. Each one is designed to touch upon a different area of life. Et chacune est faite pour toucher un domaine différent de la vie. Science and technology. Comme par exemple la technologie ou les sciences. Well, what do Christians have to do with science and technology?
Alors, qu'est-ce qu'un chrétien a à faire avec la science et la technologie? Oh, we're touched by science and technology every day. Mais on est touché par ces domaines chaque jour. Every person in the world is affected by science and technology. Et chaque personne dans le monde est touchée par ces domaines de la technologie et de la science. Just from the watch you look at. Par exemple, la montre que vous regardez. Or the video camera you use. Ou bien la caméra vidéo que vous utilisez. Or any other aspect of life. Ou n'importe quel aspect de la vie. It shapes and influences us. Et ça va nous former et nous influencer. So we must influence that area of society. Alors nous aussi, nous devons influencer ce domaine de la société. Otherwise, it influences us in ungodly ways, and we want to see it influence us in righteous ways. Ben sinon, ça va nous influencer d'une façon qui ne contient pas Dieu. Et nous, on veut vraiment apporter cette croyance de Dieu. We have a college faculty of communication. Nous avons une faculté de la communication. Because the communication is the media is a key area in society. Parce que tout le domaine des médias est vraiment un domaine clé dans la société. It shapes people's values, people's thinking. Ça va former en fait la valeur des gens et aussi leur façon de penser. And so we want to train people who are skilled in that area. Alors on veut vraiment former des gens qui ont des dons et l'habileté dans ces domaines. You know, if you look at the movies and the television programs that are available today. Aujourd'hui, si on regarde les programmes de TV ou bien les films, you don't have to look long before you get discouraged. Pas besoin de regarder longtemps ces programmes avant d'être découragé. There's so much darkness, so much untruth, so much immorality. Il y a tellement d'immoralité, il y a tellement de ténèbres et de mensonges. But you know, darkness exists. Mais vous savez que les ténèbres existent. In that area of the media. Dans ce domaine des médias. Just because the light is not turned on. Parce que en fait, on n'a pas tourné la lumière, on n'a pas mis la lumière. The way you get rid of darkness. Alors comment on va faire disparaître ces ténèbres? Is by turning on the light. Simplement en mettant la lumière. You know, light travels at 300,000 kilometers per second. Vous savez que la lumière voyage à 300 000 kilomètres secondes. That's very fast. Et c'est très rapide. Is that right? Est-ce vrai? 100 kilometers per hour, 150 kilometers per hour on the highways is fast. Déjà 150 kilomètres par heure sur l'autoroute, c'est rapide. If you break the speed limit a little bit. Si vous allez au-delà des limites de vitesse, évidemment. But this is 300,000 per second. Mais là, c'est 300 000 kilomètres par seconde. Bang! Très rapide. But you know what? Mais vous savez quoi? Darkness is always just ahead of us. Mais la ténèbre, c'est seulement juste devant la lumière. It's just a fraction faster than light. C'est une toute petite fraction plus rapide que la lumière. You turn on the light. Dès qu'il y a la lumière. And the darkness disappears. Plus de ténèbres. Instead of saying, as Christians, oh, isn't it terrible that the media is so corrupt? À la place de dire en tant que chrétien, oh, que ces médias sont tellement corrompus. Christians shouldn't be involved in that. Et que les chrétiens ne devraient pas être impliqués dans ces médias. We should say, let us train ourselves with the character and the skills necessary to turn on the light in that domain of society. On doit dire au contraire, il faut qu'on se forme pour être capable de mettre la lumière dans ces ténèbres. We do the same in the area of education. On fait la même chose dans le domaine de l'éducation. And counseling and healthcare. Et aussi dans le domaine de la relation d'aide et des soins primaires de santé. And the areas of Christian ministries and developing people with a fivefold gifts for ministry. Et aussi dans le domaine du ministère chrétien, on essaie de développer les différents ministères. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Who can go and make a difference in the world. Qui peuvent partir et faire une différence dans le monde. We have these seven colleges because we're wanting to change every dimension of society. Nous avons ces sept facultés parce que nous voulons transformer toutes les dimensions de la société. It's time for Christians to come out of the closet. C'est le moment maintenant pour les chrétiens de sortir de leur armoire. To not hide in a little tiny part of the world that they call sacred. De ne pas se cacher dans un petit endroit du monde qu'ils appellent sacré. And allow the gospel to impact every part of life. Mais vraiment laisser l'évangile avoir un impact dans tous les domaines de la vie. That's what the Great Commission
is all about. C'est ça le dernier commandement. The gospel will transform everything. L'évangile va tout transformer. Several years ago, il y a quelques années, Youth with a Mission affirmed the Christian Magna Carta. Jeunesse en mission a affirmé la carte de Magna de Chrétien. Chrétien. Yeah. And this Christian Magna Carta has 6 points. Ce Magna Carta avait 6 points. And these are the points that shape our life, our thinking as a university. Et ces 6 points qui vont vraiment former et mettre en forme notre façon de penser. Think about this for a moment. Et pensez à ceci pour un moment. Everyone on earth has the right to one. Alors chacun sur terre a le droit. Hear and understand the gospel of Jesus Christ. Premièrement, d'écouter, d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Two. Deuxièmement, have a Bible available in their own language. Avoir une Bible disponible dans leur propre langue. Three. Troisièmement, have a Christian fellowship available nearby. Avoir une communion fraternelle qui est possible à côté. Four, have Christian education available for their children. Quatrièmement, avoir une éducation chrétienne pour leurs enfants. Five, have the basic necessities of life, food, water, shelter, clothing. Cinquièmement, avoir des besoins de base, les besoins essentiels, que ce soit boire, un abri, la nourriture. And healthcare. Et aussi les soins médicaux. And six, be able to lead a productive life spiritually, emotionally, professionally, in every dimension. Et aussi vivre une vie qui produit des choses d'un point de vue spirituel, émotionnel, professionnel. Jesus has given us, all of us, those opportunities. Et Jésus nous donne toutes ces différentes possibilités. And we need to make sure that everyone has a similar opportunity. Et nous devons être certains que chacun a ces mêmes possibilités devant lui. So we look at the world's needs as a whole of life. Alors on regarde aux besoins du monde. And a few years ago, il y a quelques années, we began sending teams from the University of the Nations to Manila. On a commencé à envoyer des équipes à Manille. There's a part of Manila called Smoky Mountain. Il y a une partie de Manille qui s'appelle la montagne qui fume. And this is the garbage dump. Et là, c'est vraiment les poubelles, des dépotoirs. And in this garbage dump, thousands of people live. Et là, il y a des milliers de personnes qui vivent dans cet endroit. They're born there. Ils sont nés là-bas. They grow up there. Ils grandissent là-bas. They die there. Et ils meurent là-bas. It's a hopeless life. C'est vraiment une vie sans espoir. We started sending teams for dark schools. On a commencé à envoyer des équipes là-bas. And they started doing all, as we saw the needs, alors qu'on a vu les besoins, we started trying to minister to all of them. On a commencé à exercer un ministère envers chacun. So our DTSs and our schools of evangelism. Alors par exemple nos écoles de disciples et aussi nos écoles d'évangélisation. Would do evangelism and sharing the gospel. Partager la bonne parole et faisait l'évangélisation. And we'd have our schools of missions, our schools of church planting leadership doing church planting. On avait aussi nos écoles qui implantaient des églises. And our schools of early childhood education went and started a school there on Smoky Mountain. Et aussi nos écoles dans l'éducation des enfants ont commencé une école là-bas. And our primary health care went and established a clinic there available for the people. Et nos équipes de soins primaires ont établi une clinique qui était ouverte pour les gens là-bas. And our schools from our science and technology went and put in a whole water system so that they could have clean, potable water. Aussi des gens qui étaient doués dans la technologie ont établi tout un système d'amener de l'eau, de l'eau pure. Every part of their life was changed, touched. Et chaque domaine de leur vie a été touché et transformé. When people saw so much care being invested in them, they knew indeed that God loved them. Et quand ils ont vu ces gens qui venaient s'occuper d'eux avec tellement de compassion, ils savaient que Dieu les aimait. A couple of years ago in Eastern Europe. Il y a deux ans,
dans l'Est, dans l'Europe de l'Est. One of the major capital cities. Une des capitales plus importantes. We had a Christian arts festival. On avait un grand festival chrétien d'art. Sponsored by the College of the Arts of the University of the Nations. Et qui avait été sponsorisé par la faculté des arts de l'Université des Nations. Scores of Christian artist groups came to the city. Et il y avait beaucoup de différents groupes d'artistes qui sont venus là-bas. They had symphonies and rock groups. Ils avaient des symphonies, des équipes musicales. And they had mime and folk music from the Andes. Ils avaient aussi des équipes qui faisaient la musique folklorique et aussi des petits mimes. They had painters and all different kinds of performing and fine arts. Donc ils avaient tout ce domaine des arts qui étaient représentés là-bas. And this touched the city, opened up the city to hearing the gospel in fresh ways. Et ceci a vraiment pu ouvrir la ville pour entendre d'une façon nouvelle l'évangile. At the very same time, en la même époque, our center for resource stewardship, the part of our of the university, notre centre où on rassemble les ressources, was meeting with scientists and government leaders about how to the Christian principles for changing the environment in that nation. En fait, rencontrer les dirigeants du pays pour essayer de changer par rapport à tout ce qui était l'environnement. See, every area of life must be touched. Donc chaque domaine de la vie doit être touché. Theory and practice is integrated. Que ce soit la pratique et la théorie qui soient intégrées ensemble. We learn a little something and we do it right away. On apprend quelque chose et on va vite le mettre en pratique. Hardly any universities that give credit for people going out on outreaches. Je crois qu'il y a très peu d'universités qui donnent des unités de valeur quand les gens vont faire du pratique. But this is one of the places that you learn the most in your life. Et c'est là, sur le concret, qu'on apprend le plus dans vos vies. And those of you who've done a DTS outreach can all say amen. How much did you learn so much, didn't you? Et ceux qui ont fait un voyage missionnaire, vous pouvez dire amen. C'est là où vous avez beaucoup appris. This is a kind of education that is excellent. Ça, c'est une façon de s'éduquer qui est excellente. Because it must reflect Jesus' excellence. Ça, ça doit en fait refléter Jésus. It's a modular education. Et c'est une façon d'éducation qui est modulaire. Which means it takes one course at a time. Ça veut dire qu'on prend un cours ici, un cours là. And focus on it with all your heart. Et qu'on se concentre totalement sur ce cours avec tout son cœur. This makes our university a 21st century university. C'est pour ça que notre université est celle du 21e siècle. 300 years ago, il y a 300 ans, you could study a profession. On pouvait étudier une formation. And what you studied, et ce que vous étudiez, was exactly the same thing your father and your grandfather had studied. C'était exactement ce que votre père, votre grand-père avait étudié. And that your son and your grandchildren would study. Et que votre fils et votre petit-fils allaient étudier aussi. No longer today. Plus maintenant. If you have a degree in computer technology 5 years ago, si vous aviez eu un diplôme en technologie informatique il y a 5 ans, it's absolutely worthless today. Aujourd'hui, ça n'a plus aucune valeur. Unless you continue to study. À moins que vous allez continuer à vous former. This form of education allows us to have a lifestyle of studying. Alors, cette façon de s'éduquer, c'est comme une façon de vivre dans l'éducation. Which is really the heart of a disciple of Jesus Christ. C'est vraiment le cœur du disciple de Jésus-Christ. And as we integrate practice and theory, alors qu'on intègre cette pratique et cette théorie, God does wonderful things. Dieu fait des choses merveilleuses. One of our first schools of journalism, une de nos premières écoles de journalisme, in Washington, à Washington, was a very small group, about 5-6 students. Il y avait un petit groupe de 5 à 6 étudiants. And each of them had to interview someone as part of their exercise. Et chacun, comme exercice, devait faire un interview. One of the students was praying. Un des étudiants priait. Who should I interview, God? Il disait à Dieu, vers qui je dois aller pour faire cette interview? At that time, Gorbachev was coming to Washington for a summit meeting. Et à cette époque, il y avait Gorbachev qui venait à Washington pour une rencontre au sommet. And as she prayed, alors qu'elle priait,
She felt the Lord say to her, you should interview Gorbachev. Elle avait l'impression que le Seigneur lui disait, va faire un interview de Gorbachev. Now there are hundreds of journalists from all around the world who wanted to interview Gorbachev. Maintenant, il y a des centaines de journalistes de tout le monde entier qui voulaient absolument avoir cette interview de Gorbachev. She'd been studying journalism for a couple of months in our university. Mais elle, elle étudiait le journalisme depuis deux mois dans notre université. How could she do it? Comment est-ce qu'elle allait pouvoir le faire? It's impossible. C'est impossible. No, this is a University of the Spirit. Non, ça c'est une université dans l'esprit. And we follow the Spirit, integrating our learning with our doing. Et on suit l'esprit pour vraiment intégrer cette pratique et cette théorie. 100 journalists around the world were selected to go into this private interview with Gorbachev. Alors il y avait 100 journalistes qui ont été sélectionnés du monde entier pour aller dans cette interview. This student was among them. Et cette étudiante était parmi eux. Because she had prayed it into existence. Parce qu'elle avait pris, elle avait fait que ça vienne à l'existence. Can you imagine her resume when she graduates from the University of the Nations? Est-ce que vous pouvez imaginer après les références qu'elle aura quand elle sortira de l'université? What experience do you have? Quelle expérience avez-vous? Well, I interviewed Gorbachev. Oui, j'ai interviewé Gorbachev. See, it will open doors. Ça va ouvrir les portes. And we follow the leading of the Spirit. Et si nous suivons vraiment la conduite de l'esprit? Integrate practice and learning. Pour intégrer le fait d'apprendre les choses et les mettre en pratique. We will be leaders to serve the nations. On va devenir leaders pour servir les nations. This university is about the nations. Et cette université, c'est vraiment elle concerne les nations. You won't find a more multicultural university. On ne trouvera jamais une université qui a autant de cultures mélangées. We're situated in about 250 locations. On se trouve à peu près dans 250 endroits. In over 100 nations. Dans plus de 100 nations différentes. And courses are taught in more than 20 different languages. Et dans les cours, on parle en fait plus de 20 langues. That doesn't happen in any other university. Et ça ne se passe pas dans toutes les universités. But this university has the nations that it's taught. Mais cette université, elle pense toujours avec les nations. It's a university of the Spirit. C'est l'université de l'esprit. It's a university of the nations. C'est l'université des nations. To go and serve them in the Spirit to complete the Great Commission. Afin de servir, d'aller dans ces nations et de faire que le dernier commandement soit accompli. It may not look like the universities that you know. Peut-être qu'elle n'a pas la même apparence de l'université que vous connaissez généralement. It doesn't have the big structures, the big infrastructure. Il n'y a pas toute cette infrastructure énorme et lourde. It might even look insignificant. Peut-être même qu'elle paraît insignifiante. Kind of like salt. Comme un petit peu le sel, par exemple. Each grain does not seem to be very impressive. Chaque grain de sel, en fait, ne laisse pas beaucoup d'impression. But you spread out all these little unimpressive things. Mais vous commencez à poser partout ces différentes choses qui sont insignifiantes. And you transform the taste of whatever has been salted. Et alors vous allez transformer le goût de tout ce qui est en soi, ce sel. And God has called us to transform the world. Et Dieu nous a appelés à transformer le monde de cette même façon. It's a university without a hump and a drunk. C'est une université sans bosse, mais avec une trompe. A different university in order to complete God's task. Et une université qui a comme objectif de vraiment accomplir la tâche que Dieu nous a donnée. Le dernier commandement. This university has a goal of 1,000 locations around the world that will offer training. Cette université a comme but d'avoir 1,000 endroits dans le monde où on peut offrir une formation. We're 25% toward that goal. Et on a déjà atteint 25% de ce but. We need your prayers. On a besoin de vos prières. Come join us, help us. Venez avec nous, joignez-nous. There are tens of thousands of young people right now on degree courses. Il y a des milliers de jeunes maintenant qui prennent ces cours. The last I checked, over 30,000. Et la dernière fois que je me suis renseigné, c'était 35 000. They're not trying to finish it in 4 years. Ils n'essayent pas de finir leurs études en 4 ans. But only at the pace that God gives to them. Mais ils prennent en fait la vitesse que Dieu leur donne. Because our goal is to change the world. Parce que notre but est de transformer le monde. Psalms 2 verse 8 says, ask of me, I will give the nations as your inheritance. Le psaume 2 au verset 8 nous dit « Demande-moi les nations et je les donnerai comme héritage. » We want to be a part of Christ inheriting the nations for his kingdom. On veut faire partie
parce que Christ va hériter les nations. So we want to set up courses in every nation on earth. Alors on veut mettre sur pied des cours dans toutes les nations du monde. Outside of an army of prayer warriors. Avec aussi une armée de, d'intercesseurs. Outside of committed young people that want to change the world. Avec des gens qui veulent transformer ce monde. And teachers and administrators and those in the various logistics. Avec des administrateurs, des enseignants et tous ceux qui sont impliqués dans la logistique. This would not be possible. Et ça, ça ne serait pas possible. So we ask you to come and join in the kingdom of God, his purposes, through the Youth with a Missions University of the Nation. Ce serait pas possible sans vous, alors on vous demande de venir nous joindre, de nous joindre à nous pour vraiment pouvoir accomplir l'objectif que Dieu a avec cette Université des Nations de Jeunesse en Mission. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen.